La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine, c'est Canal Pas pour même qui remet l'évangile, ou même qui cherche sujet social, sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal Pas. Branchez et fait l'autre monde branché nous sur YouTube, live ou en replay. Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous éprouvons un immense plaisir ce matin d'être avec vous pour ensemble en glorifier le nom de Dieu, magnifier son nom, l'acclamer, l'exalter pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il continue encore à faire dans notre vie, nous, ses enfants bien-aimés. Hier, je n'étais pas au rendez-vous, j'ai eu un inconvénient de dernière minute qui m'avait empêché de partager ensemble ce temps de louange, de méditation et de prière. Ce matin encore, Pasteur Néhémie n'est pas au rendez-vous, c'est sûr qu'elle est empêchée. Donc, il est déjà 6 heures et nous allons passer un petit temps ensemble avec le Seigneur. Et nous voulons aussi profiter de l'occasion pour remercier notre sœur Clana Mésidor, notre fidèle et partenaire de ministère, et qui a pris le temps hier de nous appeler et de laisser un message pour nous parce que le groupe, il n'y avait rien qui a été dit sur le groupe. Merci, Sœur Clana, que la bénédiction de Dieu soit sur vous et qu'elle soit en abondance. Je vous invite à chanter avec moi ce cantique. À toi, mon Dieu, je me donne tout entier. Amen. Je cherche le chant, juste un petit patience, s'il vous plaît. À toi, mon Dieu, je me donne tout entier. Donc, nous allons chanter ensemble. Ton amour est ma couronne, ta force est mon bouclier. Je te donne mes journées, mes succès ou mes revers. Je te donne mes années, mes printemps et mes hivers, mes désirs avec leurs flammes. Que tu peux seul apaiser et les rêves de mon âme que tu veux réaliser. Toutes les fleurs de ma route, viens les cueillir de ta tous mes pleurs goutte après goutte, les recueillir dans ton sein, dans la joie ou la souffrance, je veux te suivre en tout lieu, toute ma vie à l'avance. Je te la porte, oh mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Oui, mes bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est bon de nous donner tout entier à l'Éternel, notre Dieu, notre roi. Je vous invite à lire une portion de la parole de Dieu que nous trouvons dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 17. 2 Chroniques 16, versets 7 à 10, voici ce que dit la parole de Dieu. Juste une seconde. De Chronique 16, versets 7 à 10. Dans ce temps-là, Anani le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie,
et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu. L'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés en tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Asa fut irrité contre le voyant et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Que Dieu bénisse sa parole pour notre édification commune. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Illumine-nous Seigneur. Éclaire-nous à travers cette parole ce matin. Permets à ce qu'elle soit pour nous une source de bénédiction, d'instruction, de conseil. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, par ton Saint-Esprit, nous t'en prions. Amen. Oui, bien-aimés, ce matin, nous venons de lire un passage. Le verset qui nous intéresse dans ce passage, c'est le verset 9 qui dit « L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tout entier à Dieu. Un cœur tout entier à l'Éternel, pas à demi. Un cœur tout entier. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu même qui a fait cette déclaration pour dire « Je suis un Dieu jaloux. » Moi, l'Éternel des armées, je ne donne pas ma gloire, je ne partage pas ma gloire avec un autre, ni mon honneur aux idoles. Bien-aimés, nous lisons la parole de Dieu là ce matin. C'est Asa, l'un des rois d'Israël, qui faisait alliance avec le roi de Syrie, pardon. Donc, nous voyons que l'Éternel était fâché contre le roi Asa. Et toujours, Dieu ne fait rien, bien-aimé, sans nous aviser. Le Saint-Esprit parle à notre cœur. Parce que la parole de Dieu nous dit, si nous prenons un chemin détourné, nous entendons une voix derrière nous qui nous dit, voici le chemin que nous devons prendre. Et dans le psaume 22, verset 8, la parole de Dieu nous dit, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Nous voyons ici, Asa s'est détourné de l'Éternel pour aller faire alliance avec le roi de Syrie. Et l'Éternel était fâché contre le roi Asa. Il avait envoyé son prophète Anani pour en tirer l'oreille du roi Asa. Donc, voilà, nous avons lu le message que l'Éternel avait envoyé à Asa. L'Éternel disait que t'es appuyé sur le roi de Syrie, sur l'armée du roi de Syrie. Donc, t'es pas appuyé sur moi, l'Éternel ton Dieu. Donc, nous voyons que Dieu rappelait et Asa les prodiges qu'il avait opérés au milieu du peuple. Dans le verset 8, les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Il rappelle à Asa ce que lui, le Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, avait fait avec ses armées-là. Il dit que l'Éternel les a livrés entre tes mains. Parce que tu t'étais appuyé sur lui. Asa s'était appuyé sur l'Éternel. L'Éternel l'avait donné la victoire sur les armées éthiopiennes, sur les armées libyennes. Il s'était appuyé sur l'Éternel. Maintenant, regarde ce qui est arrivé. Asa s'est détourné
s'est détourné de Dieu, s'est détourné de la main puissante de Dieu. Il avait retiré sa foi en Dieu. Et pour aller compter, confier sur une personne, sur une armée, étrangère. Nous voyons que la parole de Dieu nous dit que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ce dont le cœur est tout entier à lui. Bien-aimé, cette parole devrait nous interpeller ce matin. Nous ne pouvons pas servir Dieu et Baal ou bien Satan à la fois. Nous ne pouvons pas appuyer sur Dieu et appuyer sur d'autres choses. Il y en a des personnes qui, soi-disant à l'église, qui acceptent Christ, entre parenthèses, comme Seigneur et Sauveur de leur vie, mais qui comptent sur un mouchoir. Ils ont un mouchoir. Ils ont quelque chose sous leur habit. Ils ont quelque chose dans leur maison, quelque chose secondaire. Ils ne sont pas tout entiers à l'Éternel. Je dois vous dire ce matin que le Dieu que nous servons est un Dieu jaloux. C'est ce que dit la parole de Dieu. Si nous ne sommes pas tout entiers à l'Éternel, mes bien-aimés frères et sœurs, vous êtes foutus. Parce que Dieu dit dans sa parole, je suis un Dieu jaloux. Je ne partage pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Quand nous plaçons notre confiance en Dieu, Dieu agira en notre faveur. Nous chantons, je sais qu'il agira. Rappelle-toi combien de fois il agit pour toi, n'est-il pas fidèle? Je sais qu'il le fera encore, car il est toujours le même. Oui, notre Dieu est toujours le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il agissait hier, il agit encore aujourd'hui. Il continue à agir dans notre vie parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, c'est important pour nous qui sommes chrétiens d'être attachés entièrement à l'Éternel, notre Dieu. Nous devons le servir avec crainte et tremblement. Nous devons vivre une vie qui plaise à notre Dieu. Dieu, donc, il réclame de nous la fidélité. Il veut un cœur parfait dans sa fidélité à Dieu. Un cœur qui est entièrement consacré à Dieu, mais bien-aimé en Jésus-Christ. C'est ce que Dieu veut. C'est là aussi que nous pouvons dire la différence qu'il y avait entre Saül et David. Donc, Saül désobéissait à Dieu. Mais nous voyons que David, lui, de son côté, en faisait la joie de notre Dieu. David était fidèle à Dieu. Et c'est voilà pourquoi Dieu appelait David un homme selon son cœur. Oui, la deuxième chose que Dieu réclame de nous en tant que serviteurs et servantes de Dieu, Dieu nous demande d'avoir un cœur parfait qui marche dans l'obéissance à lui. Nous devons obéir à Dieu. C'est ce que nous chantons, bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est un cantique en créole. Elle a marché avec Dieu dans la lumière parole. Qui belle gloire, livrée sur nous. Elle a fait volonté, l'irrité côté nous. Et avec tout le monde qui obéit et qui croit. Obéit, croit. C'est tout ça pour nous faire. Pour nous compter dans Jésus. C'est pour nous obéir, croire. Quand nous marchons avec Dieu, dans l'obéissance, à la lumière de sa parole. Sa parole éclaire notre voie, notre chemin. Quand nous faisons sa volonté, il reste avec nous. Il y a tous ceux qui obéissent et qui croient en lui. Donc oui, bien-aimé en Jésus-Christ, c'est ce que Dieu réclame de nous. À l'instar de David, à l'instar de Paul, à l'instar des hommes et des femmes de Dieu, nous devons marcher dans l'obéissance à notre Dieu. Et
Troisième chose que Dieu réclame de vous et de moi ce matin, c'est d'avoir un cœur confiant. Confiant. Nous chantons celui qui met en Jésus une pleine confiance. Jamais ne chancellerait par fête et sa délivrance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, notre Rédempteur nous rendra plus que vainqueurs. Donc ce matin, je vous encourage, bien-aimés, à marcher de la foi de Dieu, de rester attaché, accroché à notre Dieu. Bien-aimés, de vivre une vie d'intimité avec le Seigneur, que notre relation soit étroite avec Dieu. Nous ne devons pas partager la gloire de Dieu avec des idoles, avec des êtres faibles. Satan, le diable, n'a pas de pouvoir. Mais souvent, il y a des gens qui appuient sur Satan. Ce matin, faisons confiance à Dieu et à sa parole. Quand Asa s'était appuyé sur Dieu, il remportait la victoire sur des grandes nations, sur des grandes armées. Mais il s'est détourné de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que tu as agi en insensé dans cette affaire, quand dès à présent tu auras des guerres. Au lieu pour Asa de se repentir, il s'est fâché, irrité contre Anani et le fit mettre en prison. Souvent le Seigneur nous parle à travers des serviteurs, des servantes. Au lieu de confesser nos péchés, de demander pardon à Dieu, nous faisons ennemi à ce frère, à cette sœur. Nous faisons ennemi à ce bien-aimé. Bien-aimé, ce matin, quand Dieu nous parle, écoutons la voix de Dieu, obéissons à la voix de Dieu et détournons-nous de nos mauvaises voies. Que Dieu nous aide ce matin à être attachés, à être tout entier à lui. Ainsi, ses bénédictions seront pour nous qui sommes ses enfants. Que Dieu nous garde et nous aide, nous préserve, afin que nous puissions rester avec lui dans l'intimité, dans la crainte, dans le respect, dans la fidélité, dans la confiance et dans l'obéissance. Qu'il en soit ainsi pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur bien-aimé. Adorable Père en Jésus-Christ, nous te bénissons ce matin, nous te louons, nous te célébrons, nous te salmodions pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci Seigneur pour la vie, le mouvement, la respiration et l'être. Merci de ce que tu es notre Père, tu es notre Seigneur, tu es notre Roi, tu es notre refuge, tu es notre rempart, tu es notre bouclier, tu es notre protecteur, tu es notre guide, tu es notre enseignant. Merci Seigneur, tu es tout pour nous ce matin. Nous t'adorons, nous te louons, nous te magnifions et nous te disons merci Seigneur pour ta parole ce matin. Aide-nous, cher Seigneur, à mener une vie d'obéissance, hein, une vie de confiance. Hein. Oh, cher Seigneur, une vie tout entière à toi, une vie consacrée à toi, Seigneur. Aide-nous, oh, notre joie, à glorifier ton nom dans les bons comme dans les mauvais moments. Seigneur Tout-Puissant, nous savons que, en tant que serviteur et servante hein, de toi, cher Seigneur Puissant, en tant que tes enfants, oui, les mauvais moments viendront sur notre chemin. Mais aide-nous, Seigneur, à toujours réaliser que tu es avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Tu nous as fait la promesse que tu es avec nous. Tu seras avec nous tous les jours de notre pèlerinage sur cette terre. Nous te faisons confiance, cher Seigneur Tout-Puissant. Aide-nous à appliquer ta parole dans notre vie. À la pratiquer, cher Seigneur Tout-Puissant, dans notre vie. Parce que cette parole-là, elle est une lampe Henri qui éclaire notre chemin, une lumière sur notre sentier, ô notre Tout-Puissant. Aide-nous à serrer ta parole dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Bénis-nous, frères et sœurs, ce matin, qui ont besoin de toi, cher Seigneur. Il y en a qui sont souffrants, ô notre Dieu, persécutés, découragés, abattus, désolés, désespérés, déboussolés, cher Seigneur. Mais ce matin, tu es là dans leur vie. Tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu es là.
Tu es là. Rappelle-le, Seigneur, que tu es avec eux, ô notre Dieu Tout-Puissant. Nous les remettons entre tes mains. C'est toi qui nous as dit de ta parole de déposer sur toi de tous nos fardeaux, de tous nos soucis, et toi, tu prendras soin de nous, cher Seigneur. Nous nous remettons entre tes mains, ô notre Dieu, et nous savons pertinemment que tu feras pour nous des choses extraordinaires. Tu opéreras des miracles, des merveilles, des prodiges en notre faveur pour ta gloire, pour ton honneur, cher Saint Tout-Puissant. Sois avec nous. Bénis pour nous cette journée. Ô notre Dieu, c'est journée-là, c'est toi qui l'as fait. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse, un sujet de joie, un sujet de bénédiction, une journée de guérison, une journée de victoire, une journée de réussite, une journée de succès. Nous te prions ainsi, Père, dans le nom de Jésus, notre Seigneur. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence, au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés en Jésus-Christ, et je vous souhaite une bonne journée sous le regard de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.